Le parfum. Ça, c'est un peu comme l'habit des pharisiens. Les gens te rejettent. Tu ne sens pas bon sur le plan spirituel. Et le mauvais parfum ressemble beaucoup à l'habit des pharisiens. En fait, il est créé par les choses que tu as dans le cœur, les souvenirs que tu as, les mauvais secrets. C'est-à-dire, c'est ce que la Bible appelle les mauvais trésors. Il y a des choses qui t'ont marqué négativement dans ta vie et dans le passé. Et c'était pour toi peut-être tellement honteux que tu as décidé de ne jamais en parler. Et tu as enfoui ça dans ton cœur. Tu ne souhaites même pas te souvenir de ce qui s'est passé. Ce que tu as enterré n'est pas sourd. Ce que tu as enterré n'est pas muet. Tu l'as enfermé dans ton cœur. Mais la Bible dit le sang parle. Le sang parle. Et Dieu pouvait dire à Caïn, le sang de Abel crie contre toi. Ça veut dire Abel, dans son sang, où dans le sang il y a l'âme, a retenu que toi, Caïn, tu l'as tué. Quand son sang est versé, son sang parle. Et le sang continue de parler. Il peut parler pendant que vous marchez, pendant que vous vivez. Et quand la Bible parle de ton sang, la Bible parle de ton âme. Et dans ton âme, il y a les choses que tu as retenues, ce que tu n'as pas oublié. Amen. Ou les choses que tu n'as pas pardonnées. Et plus des choses négatives viennent dans ton âme et pourrissent en toi, elles vont souiller ton âme. Donc, elles vont dégager un parfum que l'âme des autres va percevoir. Consciemment, on ne sait pas ce qui se passe. Mais les gens n'ont pas du plaisir à rester avec toi. Ce sont des mauvaises odeurs cachées. Un peu comme si tu t'es assis sur une saleté ou bien un excrément. C'est quelque part caché sur ton pantalon à l'arrière. Et tu sais pas, et tu marches. Tu crois que c'est le quartier qui sent mauvais. Non, ce n'est pas le quartier. C'est toi qui transportes la mauvaise odeur. Mais le truc le plus souvent, ces genres d'odeurs-là, parce que personne ne peut le supporter, on ne sait pas d'où elles émanent. Vous allez vous rendre compte que, et ça je l'ai vu en entretien, que des personnes qui ont été violées, abusées, subissent souvent, plusieurs fois, il peut arriver qu'elles soient abusées à nouveau. Je me suis demandé, mais pourquoi, quand les gens s'approchent de toi, ils ne veulent pas aller de manière normale, ils veulent te violenter. Elle dit, mais elle ne comprend pas. Mais c'est parce qu'elle a un parfum qui attire une violence sexuelle. Donc, elle attire des gens bizarres. Quand tu as une mauvaise odeur d'excréments comme ça sur toi, tu attires les mouches, tu attires les gens nuisibles. Et la personne est là, donc les bonnes personnes s'éloignent. Et le parfum est là. Tous les gens qui viennent, qui veulent te proposer un mariage, ce sont des gens bizarres, des mouches. Si les mouches te suivent, demande-toi, est-ce qu'il n'y a pas une odeur sur toi qui les appelle? Alléluia. Donc quand tu sens cela, tu vois, faut pas trop te culpabiliser. Tu rentres en prière. Amen. De toute façon, dans la vie de tout, dans une vie normale, pour former ton esprit de discernement, dans le cas du mariage par exemple, Dieu va permettre que, avant même de rencontrer ton vrai conjoint, tu sois confronté à des gens qui ne soient pas forcément bien. Ça, c'est pour aiguiser l'art du discernement. Avant de donner Ève à Adam, Dieu a demandé à Adam de choisir entre les animaux si quelqu'un était mariable. Je vais vous expliquer ça. Adam devait donner aux animaux. C'est juste après que Dieu a dit, voilà, que Adam a reconnu sa femme. Mais les animaux que Adam devait nommer sont une image des gens qui ne te correspondent pas, dans lesquels tu cherches si tu veux te marier. Donc ça, c'est normal. Pendant un temps, de rencontrer des personnes qui ne correspondent pas. C'est un exercice. Mais ça ne peut pas durer 10 ans. Et après 10 ans, tu es toujours dans la forêt en train de nommer. Il faut te poser une question. Il faut dire, Dieu, c'est toujours les animaux bizarres qui viennent vers moi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et tu pries le Seigneur. Et ce que Dieu va te dire, ça va te sembler étrange. Mais quand tu vas prier, il va revenir sur des histoires souvent de ton enfance. Tu vas faire des sons, il va revenir sur des histoires de ton passé. Peut-être que quelque chose, on t'a battu, tu as été violé. En tout cas, quelque chose qui t'a marqué négativement. Et tellement tu as eu honte, tu n'as pas en parlé. Tu as enfermé ça dans ton cœur, tu as fermé à double tour. Et ça pourrit en toi. Et ça pollue ton sens spirituel, ça pollue ton âme et ça commence à sentir à un moment donné et ça va te créer des problèmes. Donc quand c'est comme ça, ce secret-là, tu dois le délaisser, tu dois l'avouer, tu dois le confesser. Amen. Quand Dieu va te le montrer. Amen. Il y a des gens qui ont vu des images choquantes. Ils ont vu des choses qui les ont traumatisés. Ils arrivent, ils voient maman dans l'adultère et papa ne sait pas. Et ce jour-là, ils ont enfermé. Que maman là, elle n'est pas sérieuse. Si c'est un homme qui a vu cette histoire, il aura des problèmes avec les femmes. Parce qu'il dégage un parfum de n'avoir confiance en personne. Donc il ne va jamais donner de la confiance sérieuse à son épouse. Même s'il se marie, il a un mauvais parfum. Donc si vous avez une mauvaise odeur, vous discernez cela, entrez dans la présence de Dieu. Et tu viens et tu en parles.
toi seul à seul avec Dieu. Dieu, voilà, c'est, et tu ouvres la bouche, tu parles. Et quand tu vas parler, tu vas sentir ton cœur battre. Tu vas sentir une douleur. Parle, avoue, crash. Il y a des gens, ils ont eu un deuil violent. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ont perdu leur enfant, perdu leur papa, perdu leur maman. Brusquement, ça leur fait tellement mal. Ils en veulent à Dieu, ils en veulent au monde, ils en veulent au système. Et ils ont pris ça, ils ont enfermé. Et maintenant, ils sont les bons chrétiens spirituels. Viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, vraiment, ça m'a fait mal. Hein. Comment ça t'a fait mal? L'histoire de ma maman qui est décédée là. Je n'ai pas compris. J'ai prié, gêné. Tu ne m'as pas exaucé. Vraiment, Seigneur, j'ai mal. Je te dis que j'ai mal en tout cas. Je ne sais pas comment tu vas me consoler, mais ça me fait mal. Voilà, faut pas jouer au dur. On va dire, non, j'ai pas mal. Non, tu as mal. Dieu a créé les larmes pour qu'on puisse pleurer. Toi, tu veux dire que tu ne pleures pas. Est-ce que c'est toi qui as inventé les larmes? Pleurer là, ce n'est pas les faibles. Il y a un temps pour pleurer. Les larmes, c'est pour dégager. Enferme-toi et puis pleure sérieusement. Et à un moment donné, par rapport à cette histoire, tu vas te sentir en paix. Ça veut dire que ce n'est plus un secret maintenant. Tu es devenu libre de cette histoire. Elle ne va plus polluer ton sang. Et le parfum de Christ va prendre le relais. Quelqu'un est-il avec moi?